Maintenant, nous continuons avec les versets. L'autre jour, nous avons appris les trois couches des causes et effets, les 12 liens, la coproduction interdépendante divisée en 3 couches de causes et effets de l'école Sarvastivada. De l'Abhidharma Kosha Shastra. Est-ce que nous avons appris la dernière fois de la coproduction interdépendante? Ces liens de la coproduction interdépendante ont été divisés en 3 temps, passé, présent et futur. Ignorance et formation font partie du passé, et puis conscience, corps et esprit, les 6 organes sensoriels, contact, sensation, attachement. Saisi, tout ça, ça fait partie de la couche du moment présent. Alors tout ça, ça fait tous ces liens font partie du moment présent. Et puis l'existence aussi. Et puis, la naissance, la vieillesse et la mort font partie de la couche du futur. Ce sont les 3 temps. Alors l'ignorance et la formation sont des causes qui mènent aux fruits dans le moment présent. Les 2 causes de la vie précédente, ces causes, ces semences mènent aux fruits, aux effets dans le moment présent. Et l'attachement et l'existence ici sont les causes que nous avons créées dans cette vie pour arriver aux fruits dans le futur qui sont la naissance, la vieillesse et la mort. Alors,
ici c'est la première couche de cause et effet, et ici c'est la deuxième couche des causes et effets. Ce sont les causes et effets dans les trois temps et dans les deux couches. Enseigner aussi que des liens de la coproduction interdépendante ont leur location spécifique, dans leur place spécifique, et puis c'est ensuite ces 12 liens arrivent à chaque instant dans des clins d'œil. Chaque clin d'œil, il y a tous ces liens de la coproduction interdépendante. Ici, c'est un des schémas que nous pouvons dessiner, et il y en a beaucoup qui aiment ce schéma dans lequel il y a le passé, le moment présent et le futur, mais Thaï ne l'aime pas trop parce que c'est divisé. Si on arrive aux coproductions interdépendantes à chaque clin d'œil, on s'approche à la vérité, parce que dans un des 12 liens, il y a l'ignorance et la formation. C'est pour ça, si on divise l'ignorance et la formation en quelque chose qui fait partie du passé, alors ce n'est pas correct. Parce que dans ces douze liens intersons, et dans l'un se trouvent tous les autres. Comme dans chaque cellule de notre corps, il y a tout notre corps dedans. Il suffit de prendre une cellule, et avec les sciences d'aujourd'hui, nous pouvons reproduire un nouveau corps entier. Dans une cellule de notre corps, il y a tous nos gènes. Et les sciences d'aujourd'hui peuvent reproduire tout un corps entier à partir d'une seule cellule. Alors, dans l'espace et dans le temps, il y a 12 liens de la coproduction interdépendante, et dans un seul lien, nous pouvons trouver tous les autres. L'un se trouve dans le tout, et le tout se trouve dans l'un. Dans le passé, le patriarche dessine souvent ce schéma que beaucoup de personnes aiment, et ce schéma décrit le processus de la vie et de la mort. Mais un jour, Thaï a compris que les 12 liens de la coproduction interdépendante peuvent être perçus comme
pas comme un processus de la vie et de la naissance, mais de l'épistémologie, c'est-à-dire c'est la théorie de la connaissance. Épistémologie. Et voudrez-vous partager ça, et vous pouvez contempler et vous verrez comme c'est merveilleux de voir les 12 liens de la coproduction, l'interdépendante, pas comme une explication de la mort et de la naissance, mais comme une théorie de la connaissance. L'ignorance. Parce qu'il y a l'ignorance, parce qu'il y a des perceptions fausses. Parce qu'on n'a pas la vision profonde, il y a la formation. On voit ce monde, des phénomènes, comme des entités séparées. C'est ça la formation. Par exemple, nous voyons une fleur, nous la voyons comme une formation. Chose séparée des non-fleurs, quelque chose de séparé, une chose séparée de tout ce qui n'est pas fleur. Elle a sa propre nature. Si la fleur, elle ne peut pas être autre chose. Comme quand nous sommes humains, nous ne pouvons pas être d'autre chose. C'est pour ça, l'ignorance est comme un couteau qui divise la réalité des choses en petits morceaux. C'est la discrimination. À cause de l'ignorance, nous voyons les réalités comme des entités séparées. La fleur n'est que fleur et elle ne peut pas être autre chose. Mais la vérité, c'est que la fleur est aussi le rayon du soleil. La fleur, la vérité, c'est que la fleur est aussi le nuage, parce que sans nuage, il n'y aurait pas fleur. Alors, l'ignorance mène à la discrimination. Si nous parlons de la physique quantique, le proton n'est que proton. Il ne peut pas être neutron. Les électrons ne sont que les électrons et ne peuvent pas être les protons. Alors, là, on s'attache à la formation. Ceci ne peut que ceci et ne peut pas être cela.
c'est la vision, c'est la vue de la discrimination, c'est vikalpa en sanskrit, c'est l'ignorance. Le temps n'est que le temps et ne peut pas être autre chose. Le temps ne peut pas être l'espace. Le temps et l'espace ne peuvent pas être la matière. Mais la vérité, c'est que le temps et l'espace sont une paire qu'on ne peut pas séparer. Le temps se trouve dans l'espace et l'espace se trouve dans le temps. Et dans le poème que tu as écrit, le temps est comme des fils, les fils luisants, et on les tisse pour faire un beau morceau de tissu de l'espace. Alors, on ne peut pas enlever les neutrons hors des protons ou les protons hors des neutrons. Alors, à cause de l'ignorance, il y a la formation. La formation signifie les entités séparées. Les choses séparées. Ceci n'est pas cela. Et c'est pour ça, ça entraîne la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est la conscience dans laquelle il y a l'ignorance. Sans la conscience, c'est la sagesse. Ce n'est pas la conscience. Quand on parle de la conscience, il y a toujours l'ignorance dedans. Et bien, s'il y a la conscience, on fait la discrimination entre le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit sont deux choses différentes. C'est parce que nous ne savons pas que si nous enlevons le corps hors de l'esprit, l'esprit ne serait plus. Et si on enlève l'esprit du corps, alors le corps ne serait plus. C'est pour ça. Les deux dépendent l'un de l'autre pour exister, comme le gauche et le droit. Si on enlève le gauche, il n'y aurait pas le droit. Corps et esprit, c'est psychosoma, psycho et soma et psycho. Si on enlève l'un de l'autre, l'autre n'existerait plus. Un nombre de retraitants francophones la semaine dernière, vous étiez étonnés quand vous avez entendu dire que si on enlève le corps hors de l'esprit, l'esprit ne serait plus. Et vous pensez que si notre corps se décompose, notre esprit se décompose aussi. Alors qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui se réincarne? Et plusieurs retraitants francophones n'ont pas compris. Mais nous voyons très clairement que le corps dépend de l'esprit et l'esprit dépend du corps. Nos sensations, nos pensées doivent avoir un corps pour
pour avoir lieu. Mais ça ne veut pas dire que quand le corps et l'esprit ne sont plus là, c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. C'est parce que le corps et l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie. Le corps et l'esprit peuvent être toujours perçus comme l'énergie. Et cette énergie se manifeste tous les jours, chaque instant, chaque fois qu'il y a une pensée. Cette pensée est l'énergie. Chaque fois que nous disons quelque chose, c'est de l'énergie. Chaque fois que nous faisons un acte, c'est de l'énergie. Alors, ce corps et cet esprit sont l'énergie. Il faut voir notre corps et notre esprit comme une source d'énergie. Et les sciences disent la même chose. La matière et l'énergie. En regardant la matière, il faut voir l'énergie. Et si elle n'est pas sous la forme matière, alors elle est sous la forme de l'énergie. Alors il faut voir notre corps et notre esprit comme une source d'énergie. Et quand l'énergie n'est pas dans sous la forme de corps, et d'esprit, cette énergie sera sous une autre forme. C'est pour ça notre karma, le fruit de nos actions sont toujours là. Quand nous disons que notre corps et notre esprit ne seront plus là, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Si nous croyons comme ça, c'est le nihilisme. Et nous ne devons pas nous laisser emprisonner dans le nihilisme ou l'éternalisme, la permanence, c'est les deux opposés. L'éternalisme et le nihilisme sont deux vues fausses que nous devons transcender. Et il y a des hommes de science qui pense que quand notre corps se décompose, notre conscience cesse aussi et c'est la fin. Alors c'est le nihilisme. Et le bouddhisme n'enseigne pas le nihilisme. Dans le bouddhisme, nous apprenons que notre corps et notre esprit sont source d'énergie. Et l'énergie ne cesse jamais. Et les sciences doivent accepter cela aussi. Dans les sciences, il y a aussi la loi de la conservation de l'énergie. Et cette loi dit qu'on ne peut jamais créer de l'énergie à partir de rien. Et la loi de la conservation de la matière. Et on ne peut pas détruire la matière non plus. Et les sciences, dans les sciences, il y a déjà cette loi. Et pourquoi les hommes de science disent qu'après la mort, il n'y a plus rien? Rien ne se crée, rien ne se perd. C'est correct. C'est pour ça, quand nous voyons ce corps se décomposer et qu'il n'y a plus de pensée, de sensation, ça ne veut pas dire qu'il y a une interruption. Ça ne veut pas que c'est la fin. C'est le contraire de la loi de la conservation. Non, cette énergie reste toujours, mais elle peut se manifester sous d'autres formes. Comme c'est comme quand le nuage n'est plus dans le ciel. Il ne faut pas croire qu'il est mort.
Il est H2O. Et s'il n'est pas sous la forme de nuage, il sera sous la forme de rosée ou d'eau ou neige ou pluie. C'est pour ça dire que le nuage est mort, c'est irraisonnable. C'est pour ça il y a la continuation et nous ne tombons pas dans la vue fausse qui est le nihilisme. Le nihilisme est faux dans le bouddhisme et aussi dans les sciences. Parce que les sciences ont trouvé la loi de la conservation de l'énergie. Alors, la conscience, notre conscience a d'ignorance, c'est pour ça que nous voyons que le corps et l'esprit sont deux choses différentes. Et nous croyons qu'on peut enlever le corps hors de l'esprit et vice-versa. Mais c'est quelque chose d'impossible, comme le gauche et le droit. Et le corps et l'esprit entraînent les six organes sensoriels. Et les six objets des six organes sensoriels, l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et le mental, et puis l'image, le son, l'odeur, etc. Et nous croyons que les six organes sensoriels sont différentes des six objets des sens. Et c'est pour ça que nous sommes emprisonné dans la vie dualiste entre l'objet et le sujet. Et beaucoup d'hommes de science restent encore emprisonnés dans le double saisi. C'est-à-dire, nous voyons le corps et l'esprit comme deux choses séparées et les six organes sensoriels sont séparés des six objets des sens. Et beaucoup de neurologues, de neurologistes croient encore qu'il y a une conscience qui est sujet, qui reste indépendante. Qui reste indépendante du monde objectif et qui cherche à comprendre le monde objectif, et c'est une vue fausse. Nous croyons qu'il y a un esprit à l'extérieur de l'objet et un objet à l'extérieur de l'esprit pour que l'esprit cherche à comprendre. Alors, la physique classique croyait ça. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup d'hommes de science qui croient encore à ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi les physicistes, les hommes de sciences physiques ont trouvé que l'esprit n'est pas l'observateur, mais l'esprit doit être participant. Et les hommes de sciences de physique quantique, tout le monde, ils savent tous que notre esprit joue un certain rôle. Dès que notre esprit touche un objet, cet objet change. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté, ils ont admis
Ils ont accepté que notre conscience n'est pas un observateur, mais notre conscience joue le rôle de participant. Mais le chemin est encore loin. Leur chemin est encore très, très long. Alors, dans les 6 organes sensoriels et les 6 objets des sens, il y a la conscience dedans. Et si nous voyons que les 6 objets des sens comme des entités séparées des 6 organes sensoriels, c'est faux. C'est pour ça. Dans le corps et l'esprit, il y a l'ignorance, mais dans les 6 organes sensoriels, il y a aussi l'ignorance. Ce qui entraîne le contact, s'il y a les organes sensoriels et les objets, alors il y a le contact. Et dans ce contact, nous croyons qu'il y a ceci qui entre en contact avec d'autres choses. Il y a deux choses. Et nous croyons que c'est la main droite qui n'est pas la main gauche, et c'est la main droite qui touche la main gauche. Il y a un sujet et un objet. Il y a moi et autrui. Alors c'est ça le contact. Le contact entre le corps et l'objet du toucher, et puis entre le mental et l'objet du mental. Et puis, le contact entraîne la sensation. La sensation peut être agréable, désagréable ou neutre. S'il y a dans le contact, il y a l'ignorance, et c'est pareil dans la sensation. Parce qu'il y a l'ignorance dans le contact, c'est pour ça qu'il y a l'ignorance dans la sensation. Et nous distinguons 3 sortes de sensations, sensations agréables, désagréables et neutres. Et nous faisons la distinction comme ça, mais cela dépend de notre perception. Qu'il soit agréable ou désagréable, cela dépend de notre esprit. Par exemple, nettoyer des toilettes, est-ce que c'est agréable ou désagréable? Est-ce que c'est la souffrance ou le bonheur? Cela dépend de notre perception. Si c'est la première fois que nous avons des toilettes dans notre maison, alors les nettoyer, c'est un grand bonheur. Avoir des toilettes pour nettoyer. Chaque fois que Thaï se brosse les dents, en pleine conscience, Thaï dit, waouh, à cet âge, j'ai encore mes dents pour me brosser. Quel bonheur! Alors, le bonheur ou la souffrance, cela dépend de notre perception, de notre attitude mentale. C'est pour ça, la souffrance et le bonheur sont très relatives. Si plus nous avons l'ignorance, plus nous souffrons, plus nous avons la vision profonde, plus nous sommes heureux. La souffrance et le bonheur ne sont pas objectifs. Ils sont très subjectifs. Par exemple,
la méditation assise, c'est la souffrance ou le bonheur, cela dépend de nous. Manger, prendre le repas, c'est le bonheur ou la souffrance. Dès que nous sommes en pleine conscience, nous pouvons produire et créer le bonheur. Et puis, nous avons appris que pour les sensations neutres, elles peuvent devenir souffrance ou bonheur. Par exemple, quand nous avons mal aux dents, nous avons une sensation désagréable. Surtout avoir mal aux dents la nuit. Le cabinet dentaire est fermé, il faut attendre jusqu'à 9 heures du matin. Alors, nous avons une sensation désagréable. Alors, à de tels moments, nous avons l'occasion d'éveiller quoi? Nous réalisons que ne pas avoir mal aux dents, c'est un grand bonheur. N'est-ce pas? Mais quand nous n'avons pas mal aux dents, nous ne sommes pas du tout heureux. Nous croyons que c'est quelque chose de normal, c'est une sensation neutre. Mais la réalité, c'est que ne pas avoir mal aux dents, c'est une sensation de bien-être. Mais nous ne la reconnaissons pas. Et nous ne voyons pas que c'est une sensation agréable. Notre dentiste a fait son travail et nous n'avons plus mal aux dents. Et quel bonheur! Il y en a plein qui n'ont pas mal aux dents, mais qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas du tout de sensation de bien-être. Donc la sensation neutre, avec la pleine conscience et la concentration, une sensation neutre peut devenir une sensation agréable. Parce que elle-même, c'est une sensation de bien-être. Et c'est ça. C'est comme ça les sensations. Nous souffrons ou nous sommes heureux, cela dépend beaucoup de nous-mêmes. Et si cette sensation neutre, si nous ne savons pas comment en profiter, elle peut devenir la souffrance. Nous nous disons, oh, c'est ennuyeux. Pourtant, nous avons la bonne santé. Nous n'avons pas mal aux dents. Nous pouvons être bien heureux, mais nous ne savons pas. Nous plaignons, oh, c'est ennuyeux. Mais en vérité, nous avons beaucoup de conditions de bonheur que nous ne reconnaissons pas. C'est pour ça, cela dépend de notre esprit. C'est pour ça, il y a aussi l'ignorance dans des sensations. Et nous percevons des sensations agréables, désagréables et neutres. Et c'est pour ça que nous avons de l'attachement. Et même si les objets de l'attachement entraînent beaucoup de souffrance, et pourtant nous continuons à poursuivre ces objets. Par exemple, quand nous poursuivons l'argent, le pouvoir, la renommée, tant de personnes souffrent à cause de l'attachement. Et quand nous sommes attachés, nous n'avons plus la liberté et ça entraîne saisie, l'attachement entraîne saisie.
envers la liberté. Et quand nous sommes attachés, non seulement dans l'objet des désirs, mais aussi dans des perceptions, des perceptions qu'il y a l'objet et sujet, il y a la naissance et la mort, l'être et le non-être. C'est pour ça que nous sommes attachés au concept de l'existence. L'existence ici, c'est le contraire de la non-existence comme la naissance et la mort. L'existence ou l'être. Nous nous attachons au concept de l'être. Il y en a qui n'aiment pas vivre, qui disent pourquoi je suis né. Pourquoi je suis né pour souffrir? Il cherche le non-être. Et dans la Bible, il y a Job qui a eu un accident, qui souffre. Et puis, il a fait des reproches à Dieu. Pourquoi vous m'avez mis au monde? Il y en a qui souffrent trop, qui rêvent du non-être. C'est parce qu'ils sont emprisonnés dans l'être et le non-être. La vérité, la réalité transcende l'être et le non-être. Si nous réalisons le nirvana, la dimension ultime, nous réalisons la non-naissance et la non-mort. Par exemple, nous regardons un nuage. Si nous regardons le nuage d'une façon superficielle, nous voyons qu'il a la naissance, qu'il traverse la naissance, la mort. À cause de l'ignorance, nous voyons l'être et le non-être. Nous voyons qu'à partir de rien, le nuage apparaît, il est né, et puis un jour, il ne viendra rien, il mourra. Mais Lavoisier a vu que le nuage ne peut pas se créer et ne peut pas se perdre. Rien ne se crée, rien ne se perd. Pour la matière comme l'énergie. Alors les sciences ont trouvé que la réalité des choses transcende la naissance et la mort. Mais les scientifiques n'arrivent pas encore à mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Ils mettent en pratique seulement dans la technologie. Les scientifiques ont des soucis, la souffrance, mais ils ne savent pas encore utiliser leur
vision profonde pour gérer leurs soucis, leurs souffrances. C'est pour ça que les scientifiques doivent s'amuser avec les religieux, les spirituels, parce que les spirituels, les religieux mettent en pratique dans leur vie quotidienne pour gérer leurs souffrances. Et quand nous sommes emprisonnés dans la vue dualiste, nous voyons qu'il y a l'être et le non-être. Il y en a qui disent que Dieu est la fondation de l'être. Et ce n'est pas correct de dire ça, parce que si Dieu est la fondation de l'être, alors qu'est-ce qui est la fondation du non-être? S'il y a l'être, il y a aussi le non-être. Si Dieu est la fondation de l'être, alors quelqu'un doit être la fondation du non-être. Et cette personne a beaucoup de pouvoir, et même plus, dont ces personnes sont emprisonnées dans les concepts de l'être et du non-être. Et beaucoup de scientifiques sont emprisonnés aussi dans ces concepts. Ils posent la question, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Les scientifiques aiment poser de telles questions. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Aujourd'hui, les physiciens posent cette question et ils sont emprisonnés dans les concepts de l'être et du non-être. Et ils sont emprisonnés aussi dans les concepts de la naissance et de la mort. C'est pour ça que les scientifiques doivent... les scientifiques cherchent le moment du commencement de l'univers. C'est parce que si ça existe, alors en ce moment ils ont la théorie du Big Bang et ils disent que c'est le moment du commencement. Et quand ils créent le Big Bang, ils disent que, bien sûr, ils sont emprisonnés dans la fin du cosmos qu'ils appellent Big Crunch. Si on est emprisonné dans l'existence, dans l'être, on est emprisonné aussi dans le non-être. Si on est emprisonné dans la naissance, on est emprisonné aussi dans la mort. La vérité, c'est que la réalité des choses transcende tous ces concepts de l'être et du non-être. Comme Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd. Et s'il n'y a pas la création ni la perte, s'il n'y a pas la naissance et la mort, alors il n'y a pas l'être ni non-être. Et dès qu'on est emprisonné dans le concept de l'existence de l'être, on reste emprisonné dans le concept de la naissance, et puis on est emprisonné dans le concept de la vieillesse, de la mort. S'il y a la naissance, il y a la vieillesse et la mort. S'il y a le Big Bang, il y aura le Big Crunch. Alors, c'est un problème de perception. Alors, ces liens de la coproduction interdépendante expliquent la théorie de la connaissance plutôt que...
On peut enlever le mot vieillesse. On met simplement mort. Alors ça explique la théorie de la connaissance plutôt que le processus des causes et effets et des du cercle de samsara. C'est l'épistémologie. Le 13e verset parle de l'action. C'est le travail, c'est la fonction, c'est le karma. Karma, c'est action. L'action, l'action ne naît pas d'elle-même. Quelque chose comme la course, l'écoulement, tout ça c'est la force, c'est l'action, c'est l'énergie. C'est la force, l'énergie, l'action. Et cette action ne naît pas d'elle-même. Et ni d'autre chose. De, signifie d'elle-même. D'elle-même, elle ne peut pas naître. Elle ne peut pas se produire. Dans les autres versets, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que les choses ne naissent pas d'elles-mêmes et elles ne sont pas mises au monde par d'autres choses. Puis nous avons aussi appris que les choses ne peuvent pas se détruire elles-mêmes et elles ne peuvent pas être détruites par d'autres choses. Elles ne peuvent pas être elle ne peut pas mettre fin à elle-même ou par d'autres choses. Et rappelons-nous que nous sommes en train d'apprendre tout ça pour comparer avec les sciences. Les choses sont équivalentes à la matière, que la matière vivante ou la matière inerte. Et dans les sciences, on dit que la matière et l'énergie, c'est-à-dire la force, les deux sont un, sont la même chose. Si on enlève la force, il n'y a plus la matière. Si on enlève l'énergie, il n'y a plus la matière. Alors, le corps et l'esprit sont l'action, ce que nous appelons karma, action, ça ne naît pas de lui-même ni d'autre chose.
c'est le 13e verset. L'action ne naît pas d'elle-même, ni d'autre chose, ni d'une autre vie, et pourtant cela ne signifie pas que l'action n'existe pas. Ce n'est pas à cause d'une vie précédente que maintenant ça existe. Alors ce mot, lui signifie les autres vies, les vies précédentes. Ces actions, ces énergies ne naissent pas d'elles-mêmes ni d'autre chose. Et elles ne sont pas non plus les fruits des actions d'une vie précédente. Mais ça ne veut pas dire que ces actions n'existent pas. Ce que nous devons nous rappeler, c'est que nous sommes en train d'apprendre la vérité ultime. Et l'opposé, il y a aussi la vérité relative ou la vérité conventionnelle. L'action, ce n'est pas que l'action n'existe pas. Quand on dit la pluie tombe, la pluie tombe ou le vent souffle, ou bien je pense. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'appelle pluie et puis une action appelée tomber, deux choses séparées. Comme quand nous regardons la matière, nous disons que c'est la matière et puis elle peut produire de l'énergie. Mais en réalité, elle est déjà l'énergie. Elle n'est que l'énergie. L'important, c'est qu'il y a l'action de tomber. Il n'y a pas un sujet qui se met derrière pour faire tomber. Il n'y a pas le dieu de la pluie qui crée la pluie. Un sujet qui se met derrière pour faire l'action. Parce que la tombée est aussi le sujet. C'est pareil pour le vent qui souffle. Ce n'est pas il n'y a pas le vent qui reste derrière, qui veut souffler ou qui ne veut pas souffler. Il n'y a pas l'énergie ou l'action en dehors d'un sujet. Et puis je pense, c'est très connu, c'est Descartes, je pense, la vérité c'est que l'action, c'est penser, je pense, mais il n'y a que la pensée, et cette pensée est la personne. En dehors de cette pensée, il n'y a rien d'autre en particulier. C'est pour ça qu'il y a, dans cette phrase, il faut voir que la personne est la pensée elle-même et la pensée est la personne qui pense.
peut-être maintenant vous voyez mieux qu'au début de la retraite. Il y a une pensée. Cette pensée. Cette pensée existe, mais il n'y a personne derrière qui produit cette pensée. Il n'y a pas une personne qui se met derrière et qui est séparée de la pensée. C'est pour ça que nous pratiquons le Bouddha et la respiration, le Bouddha et l'assise. En regardant cette respiration, nous savons que c'est le Bouddha, parce que cette respiration a beaucoup de qualités. Et le Bouddha est cette respiration. Trouver le Bouddha en dehors de cette respiration, c'est impossible. La qualité de cette respiration, la qualité de cette assise est très élevée. C'est pour ça que nous savons que c'est le Bouddha. En dehors de tout ça, il n'y a pas le Bouddha. Et la calligraphie que Thaï vous offre, c'est la paix et la respiration, le bonheur et l'assise. Alors, la paix n'est pas à l'extérieur, quelque part. Elle est dans la respiration. C'est pareil pour le bonheur, il faut le trouver dans notre assise. C'est pour ça, la matière et l'énergie, il ne faut pas dire que ces deux choses sont séparées. Ne disons pas que c'est la matière qui crée l'énergie, mais la matière est l'énergie elle-même. Bon, on va garder les autres versets pour la prochaine fois.